Salut tout le monde, c'est Pixchuckle. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Pokémon version platine. Donc la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait? On avait battu Mars, donc un des commandants de la Team Galaxy. Donc finalement je n'ai pas entraîné mon équipe. Donc j'ai toujours Toxie au niveau 10 et les autres niveau 18-19. Donc je vais laisser Toxie en première position. Et puis on va continuer un petit peu. Donc là on va aller à la forêt de Vestigion et on va la faire cette forêt. Donc, on monte. Donc, je n'ai pas avancé plus que ça. Donc, je pars la Snake. Si tu étais du miel sur un arbre ou du parfum, ça attira peut-être des Pokémon. Donc, ça y est. Donc, j'ai enfin fini mes épreuves communes. Donc, je crois que je vous l'avais déjà dit. Si j'ai fait ma. Non, ma dernière vidéo, c'est quand je l'ai fait ma dernière vidéo. Enfin, je sais plus, c'est quand je l'ai fait ma dernière vidéo. Mais en tout cas, je suis content. J'ai fini enfin mes épreuves communes. Donc, j'en suis débarrassé. J'en suis très content. Bon, mais quand même, qu'ils m'ont bien fait paniquer ces épreuves. Donc, finalement, c'est bien passé, donc voilà. Donc, j'espère que sinon vous allez bien. Donc, moi personnellement, je vais vraiment très bien. Franchement, je suis de très bonne humeur en ce moment et je vais commencer à faire un peu plus de vidéos puisque tout simplement j'ai le temps maintenant. Et vu qu'on arrive à la fin d'année, hein, moi j'arrête les cours le 11 juin. Donc, à partir du 11, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos et je pense qu'on va quand même bien continuer le let's play jusqu'ici. Donc cet épisode va combien de temps il va durer? Il va durer environ une demi-heure, hein, comme pour celui qu'on a fait la dernière fois. J'espère quand même qu'on aura fini la route, enfin la forêt Vestigion à ce moment-là. On va pas tous les faire, hein, parce que si on les fait tous, après on est perdu. Hein. Oh, putain, il m'a vu de loin lui. Lui, voilà. Pour une fois, je l'ai bien cadré mon écran. C'est pas mal. Bon. Alors. Donc, excusez-moi si vous entendez du bruit à côté parce qu'il y a mes petits frères. Ouais. Voilà, c'est ça de vivre. De faire des vidéos quand tout le monde est là. Marcos. On va prendre Toxie encore une fois. On va essayer un petit peu d'équitabiliser, même si ça se dit pas du tout. Alors, on va changer. On va envoyer Primplouf. Comme ça, on essaie de le mettre au niveau 20 et après on peut envoyer Magic. On va entraîner aussi un peu. On va essayer un petit peu d'épargner un peu Luxio. Parce que j'ai vraiment envie de capturer ce Smotisma et de le mettre en forme. En même pas quelle forme. Je sais même pas quelle forme. Parce que la forme machine à laver, c'est un petit peu trop courant. Je vais voir comment je vais faire, si je garde ou pas Smotisma. Il y a combien de Pokémon? Il y en a 3 lui? Non. J'avais un peu la flemme de l'entraîner Toxie, excusez-moi parce que j'ai vraiment pas envie de l'entraîner. J'avais la flemme tout simplement. Donc je me suis dit bon bah je vais le mettre. Je vais l'entraîner pendant les vidéos, comme ça moi ça fera des trucs que je ferai. Comme ça ça me poussera à entraîner Toxie. Donc je fais une pause, excusez-moi, je reviens. Donc, excusez-moi. Donc c'est ça, en fait, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir du monde à la maison. C'est pour ça que je vous ai un petit peu laissé de tomber. Oh, puis merde. La route est longue entre Floraville et Vestigion. Faisons plutôt un combat. Bon, on n'arrivera pas à Vestigion d'aussitôt, hein, je vous dis. Hein. Mon avis, ce sera l'épisode 9 qu'on fera l'arène. Un cap humain niveau 14.
J'espère qu'on va pas encore me déranger parce que ce serait quand même assez chiant. De toute façon, pas de cas, je couperai au montage si on me dérange maintenant. Alors, voyons voir un petit peu. On va voir ce que ça fait avec la troc. Évidemment. Faut vraiment que je la vire. C'est vrai qu'elle sert absolument à rien. Et comme je suis obligé de la garder. Oh là, ça commence. Le bonheur de la précision. Ah non, c'est bon. Niveau 12. Est-ce qu'il apprend une nouvelle attaque? Non. Non, c'est pas possible. Oh, on va trop loin, c'est bon là. On va revenir sur nos pas. Et allez! J'aime les Pokémon qui sont bons. Comme celui-là, tiens, sens-moi ça. C'est bien la première fois qu'on me demande de sentir un Pokémon. Il y a un Roselia en plus. Hein. C'est le genre de Pokémon qui a deux fleurs à la place des bras. C'est vachement pratique pour pouvoir manger. Parce que moi, hein, quand je vois des gens qui n'ont pas de bras, je pense à eux quand ils mangent. Je me dis, mais comment ils font? C'est horrible, attendez. Bon, je m'excuse hein, pour les gens qui ont vraiment pas de main. Je dis vraiment, mais alors, mais... Je suis sûr, derrière cet écran-là, il y a des gens qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi son délire? Le mec, il a atteint ça, il est foutu. Alors... Bon, on l'affronte, c'est pour le plaisir, allez. Et on parie, c'était pas par là qu'il fallait passer. Putain, c'était pas par là. Anastasia. Niveau 12 et Toxie, le niveau combien? Bon, de toute façon, je peux rien contre lui, donc étonnement, c'est de type spectre. Hein, étonnement, c'est de type spectre. Je parle très bien le français, moi. J'ai pas l'heure, ah si, j'ai l'heure, attendez. Carré. Ok, d'accord. Pachirisu. Pachirisu, comment on lui dit, je sais pas. Moi je dis Pachirisu. Bon non, je dis les deux. Pachirisu, c'est plus stylé. Bon, on dit Pikachu, donc Pachirisu. Ouais, peut-être. Il a Pikachu. Hein. Ah d'ailleurs, ce serait moche de dire ça, Pikachu. Elle a résisté. C'est coriace, ces trucs. Hein. Pour des écureuils. Bon. Morsure, voilà, c'est une bonne attaque. Bon, est-ce que c'était par là qu'il fallait passer ou est-ce que j'ai fait une grosse connerie? Et c'était la connerie à ne pas faire, bien sûr. Bon. On va essayer d'esquiver. En première air, on te... Première air, on t'agresse. Je vais esquiver le mec, là, pas de cas, je ferai une pause parce que c'est bon. Voilà, allez. Merde! Je vois pas en quoi c'est utile à part que c'est une attaque de type sol, mais bon.
Vampirisme, étonnement, morsure. Oh, bah, le chaos, rien ne marche donc. Étonnement. Bon, je fais une pause. Dès qu'on a fini le combat, je reviens. C'est bon, je suis de retour. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas encore un, hein, mais s'il y en a encore un. Hein. Oh non, mon dieu. Bon, est-ce qu'on peut les éviter? Oui, on peut. Est-ce qu'il y a à faire un petit détour avec un... J'en étais sûr! Mais j'en étais sûr, j'en étais certain. Et la meuf se dit quand même, est-ce que je viens de me combattre? Oh, je sais pas. Il est beau le focus, hein, il est beau de l'arrivée. Oh, allez, contre un type loup, ça se fait aller. Contre un type loup. Oh là là. Ça sent mauvais. Oh, ça va. Je suis sûr que je peux même la peurer, donc... Bon, il faudrait que j'ai peur, donc c'est autre chose. Ah, ben voilà. Allez. Mais oh, mais j'en étais certain. Bon, parce que je suis pas certain de ce que je vais faire. Comme ça, moi, je suis sûr de pouvoir l'attaquer. J'ai bien fait de se réveiller. J'en étais certain. Mais j'en étais certain, putain. Je te déteste, Toxi. Petite chanson hein, pour monter le moral, hein. J'en ai besoin. Ah là là, heureusement qu'il y a les grands qui peuvent rattraper le coup. Hein. Bon. C'est décevant, c'est vraiment décevant. Bon, est-ce qu'il y a quoi me soigner? MMR. Parfait. Par contre, j'ai vraiment été bruit d'image là. Et qui s'est mis à lui? Nanana, très utile, arrête de faire les Pokémon, c'est d'avancer qu'il y a beaucoup de mon Pokémon à capturer. Nanani, nanana, je connais le chemin, merci. Bon. Continue. Ce que je ferai moi à ta place. J'ai une amie là qui va m'aider. Sarah. T'appelles Enzo, je vais te rencontrer. Est-ce que je peux te demander un grand service? Oui, mais j'ai pas d'aller seul. La meuf t'accoste comme ça, elle te demande si elle peut traverser la forêt avec toi. C'est tout à fait. Et puis, même pas demande mon avis, c'est je décide, elle décide, j'y vais quoi. C'est vrai qu'il y a les Pokémon insectes qui ont des types plantes, j'avais jamais vraiment fait attention. Là, il y a la roche humide pour pouvoir faire évoluer en Nymphalie. Bon, il y a couple, là, évidemment, faut pas l'utiliser. Je sais qu'il y a la vénère, mais est-ce qu'il est à niveau 20? Ok, donc c'est la honte. J'ai un Pokémon plus faible que elle. Bon. On va essayer quand même de s'en sortir avec un petit combat bien gagné, non? Bon, je fais une pause, excusez-moi deux secondes. C'est bon, je suis là, excusez-moi. Encore une fois, je fais des pauses, mais... Je veux vraiment... Je veux vraiment... Mettre sûr que la vidéo soit la meilleure possible, sans que personne me dérange, tout ça, donc... Je ne supporte pas... Jouer Toxi. Vas-y, clairvoyance, fais ta plaie d'aller. Je te l'offre la clairvoyance. Allez. Mais juste dépêche-toi. Oh! Bah, encore si tu pouvais faire mal, ce serait bien, tu vois. Mais c'est bon, on a compris. Bon, par contre, j'ai vraiment mis quelques images, mais moisi. Mais non, mais elle est pas sérieuse.
ça pour ça. Allez, un combat, je fais quoi? Est-ce que je le saute ou pas? Bon, on va voir ce qu'il y a comme Pokémon, et puis si jamais c'est chiant, je sauterai. Juste un jogging, je crois. 4 Pokémon. Je fais une hypothèse pas chez les yeux. Niveau 16! C'est pas. Y'a pas un truc qui va pas là! Non mais des fois la logique m'échappe quoi, c'est. Elle l'avait prévu. Oh putain! Excusez-moi. Mais prends ça. Bon. M'en fous, c'est pas moi qui touche. Au moins, il touche le bon. Bon, je vais essayer d'allumer la lumière. Ouais, enfin, c'est pas. Mais au moins, je vois mieux pour cadrer. Et vas-y, on voit tes niveaux là, 16, vas-y, éclate-toi. Bon, moi, l'avantage, c'est qu'il a touché le bon Pokémon, mais elle lui fait rien, putain. Elle lui fait rien. Vas-y, les petits touchés. Allez, c'est à moi, c'est à Bibi. C'est cadeau de Bibi. Charmillon. Mais c'est quoi cette équipe de fous que vous avez? C'est marrant ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Au moins je l'ai tué. Ah. Voilà, ça c'est une belle remontée, j'aime bien. Non mais c'est une blague. Allez. Bon maintenant on va jouer Pangoléon. Enfin Pangoléon, n'importe quoi, Pimpouf. Allez, vas-y, amuse-toi. Je la vois. Je la vois. Je la vois, t'as fait une immense. Quand un dresseur et son Pokémon s'allient, un grand pouvoir apparaît. Oui, mais de pouces là. Bon, ça va, il en manque deux, mais bon. Évidemment, c'est pas forcément ce que t'as envie de voir. Oh, mais non, ne vous inquiétez pas. Contre eux, c'est pas tellement un problème. Ouais, mais on va essayer de l'éviter parce que je crois que. Oui, c'est ça, ils ont pu se cacher, mais laquelle? Ok, type combat. C'est bon, je suis tranquille. Ils ont tous dit une putain de cacher type combat. Ah, bah je suis tranquille alors. Ah, bah je suis tranquille. Attendez. En plus, comme ils sont très très fragiles ces Pokémon, ça devrait aller. Bon, moi je prends le deuxième Amra, comme ça moi je. Sans que je finisse ce combat tout seul. Ah, ça fait rager. Mais elle l'utilise vraiment. Mais c'est vraiment mais c'est un truc de fou quoi. L'intelligence qu'ils ont, c'est fou.
Allez, vampirisme sur ce havre. En musique, hein, s'il vous plaît. Bon, je vais arrêter parce que je pourrais faire ça des heures et des heures sans arrêter. Niveau 15, super. Allez là. On va pas aller chercher la Pokéball là parce que. J'ai fait un petit peu le con là, j'avoue. Passer par en bas. Bon, puis de toute façon, ça m'arrange. Allez, amusez-vous. Voilà les seins. Mes super sens sont en alerte. J'ai repéré un Pokémon. Ah oui, voilà les seins, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas ce que vous pourriez penser. Ok, on fait une pause. Ce combat là, je vais le sauter parce qu'il est trop long. Désolé. C'est bon. Bon, on y va. Là, on va essayer de se dépêcher quand même pour le finir ce chemin. Allez, petit détour. Oh, aïe, j'en étais sûr. Mes oreilles. Allez. Qu'est son verre? Oh. M'en fous, moi j'y suis pas. Évidemment, faut laisser ce coup. Bon, les gens. Ils ont vraiment des jeux, des choses ignobles comme cadeau. C'est monstrueux. Bon, bah les gens, dites-moi. On a accompli notre tâche de faire la forêt Festigion, je suis très content, mais bon, pour la peine, on va faire un combat. Pas un combat contre un Pokémon sauvage, hein, un vrai combat. Et pas un build Alice, hein, je n'ai pas envie d'affronter un build Alice. Donc, dans le prochain épisode, on affrontera la championne d'arène, comme promis. Donc, je sais pas du tout combien de temps fera cet épisode, je pense pas qu'il fera une demi-heure, il fera peut-être un peu moins. En tout cas, je vais entraîner mon équipe pour affronter l'arène. Donc, je peux me mettre au niveau 22, je pense. Et toute mon équipe, hein, même Luxio. Parce que pour affronter Moltisma, ce serait une bonne idée de l'avoir dans mon équipe. Il pourra m'être très utile pour me défendre un petit peu. Et puis voilà. On les affronte. Et puis, on se quitte sur ce combat. Après le combat, je vous dis à toutes et à tous. Ciao. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on est bientôt 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, pour les 300 abonnés, je mettrai la vidéo sur les combats contre les abonnés des 200 abonnés. Je sais que je devais la faire pour les 200 abonnés, mais j'ai vraiment pas eu le temps et ni l'envie de le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais la faire, promis. Sans coup bas ou que ce soit vraiment, je le ferai vraiment. Mais excusez-moi de ne pas l'avoir fait plus tôt. Vraiment, excusez-moi. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Comme ça, je fais un petit peu les Pokémon, un petit peu fort de l'équipe. Et hop! Ciao, Toxie! Ah non, ça va. Combat vol.
Bon. C'est sur ce niveau 19 qu'on va s'arrêter, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois pour l'épisode numéro 8 où on affrontera la championne d'arène, donc. Et je vous dis à toutes et à tous, merci, encore merci pour tout. Ciao.